Et bonsoir à tous nos amis, spectateurs qui sont sur YouTube ou bien sur Facebook. Et bonsoir à tous nos reines et rois qui sont avec nous sur le plateau. Pour nous continuer avec l'activité Somme et commentaires. Donc là, nous sommes censés à un tiers. Ou encore, c'est ça? 150, nous à un tiers, je dis à là, et nous espérons que l'Internet la permette que nous avancions avec elle. Donc, c'est en somme hasard. Et Seigneur qui bon Dieu, tout bon Dieu, parler. Lire tout le monde qui était sous la terre. Depuis le monde qui était côté soleil levé, tout le monde qui était côté soleil couché, lui faire tout sembler. Donc, comme nous, ouais, c'est un somme hasard et c'est dernier somme. Non, ok. Somme que nous avons avant, jusqu'à somme 49, c'était somme petite Corée. Donc, de somme 42, je crois, jusqu'à 49, c'était somme petite Corée. Somme 50 là, c'est un somme Asaph. Et somme 51, c'est un somme de David. Donc, nous n'avons pas abordé et somme 50 là. Et nous faisons introduction ça, c'est pour permettre que nous toutes faisons décrétation entre Asaph, fils de Corée, et David. Peut-être un peu plus tard, nous allons parler de Asaph. Nous avons fait une recherche sur les déjà, mais nous avons retenu sur ça peut-être dans l'autre chose. C'est en ce moment. C'est à qui bon Dieu, tout bon Dieu au balai. Donc c'est que l'Éternel Abaya, c'est le Dieu des dieux. C'est bon Dieu, tout ça qui gagne. C'est le maître de toutes choses. C'est le maître de l'univers. Donc l'autre bon Dieu, yo, qui fait de main d'homme, qui fait avec mes monde avec voix, qui a des oreilles, qui n'a pas attendu, qui a bouche à parler. Bon Dieu, pas nous, c'est un autre Dieu. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui crée l'univers, qui met tout le bagaille. Donc, de telle sorte que, si bon Dieu, ça, eh bien, le tout est en bas. Bon Dieu qui roule, qui gros tout roi, c'est bon Dieu Abaya qui crée tout le bagaille. Et c'est lui-même qui relève tout le monde qui était sous la terre. Il rassemble depuis le monde qui se dit élevé, c'est-à-dire le monde qui habite à l'est, ou le monde qui était dans la zone côté soleil couché qui habite à l'ouest, lui fait tout sembler parce qu'il pourrait parler avec eux. Il pourrait parler avec eux dans un langage qui vous permet que tout le monde comprendre qui ça li pral di avec yo. Bon Dieu paraît l'éclairer bien belle depuis Sion, mon qui belle tout bon. Qui te moi dit nous que nous parler encore somme yo parler souvent de Sion. Matin, moi j'ai fait pour nous un rappel de ce qui côté Sion et Sion c'est à Jérusalem lié. C'est-à-dire que à Jérusalem, mais lui séparé avec ville là par un torrent qui nous a parlé de lui matin, c'est le torrent de Cédron. Donc il sépare Jérusalem avec montagne Sion. Montagne Sion, son montagne qui belle en pile. C'est montagne, c'est là que l'Éternel lui-même y a habité. Jérusalem, c'est habitation à Bayatou. Donc, de là, c'est que toute zone ça, qu'on prend Jérusalem, qu'on prend Sion, qu'on prend Torrent de Cédron, la gloire de l'Éternel à Bayatou, toujours resplendit dans la zone ça, parce que c'est une zone qu'il fait de, comme cité pâle qu'il y habite pour que l'île capable en contact permanent avec le peuple.
Et là, on a parlé de peuple éternel là. Nous allons parler de le monde entier. Parce que nous toujours voulons rappeler nous que le monde a gagné deux peuples. Il y a un peuple abaya et il y a un peuple serpent. Et ce n'est pas sans raison. Depuis notre premier verset, quand tu montes pour nous dans le premier verset, on va pas côté de que Seigneur qui bon Dieu, tout bon Dieu a parlé. C'est-à-dire que bon Dieu, pas nous, hein, qui c'est Seigneur, qui c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les différents de l'autre bon Dieu, yo, parce que l'autre bon Dieu, c'est petit Dieu qui Dieu des peuples, qui c'est Dieu l'autre nation. Yo. Là, après, il y a que il réuni ni ça qui n'a soleil levé, ni ça qui n'a jeune soleil couché, c'est pas l'autre peuple non qu'il réuni, c'est peuple pas là, le peuple d'Israël. Et c'est ça que nous parlons ouais, à travers le développement. Somme ça, il va parler avec le monde entier, d'après un peu nous comprenons que bon Dieu, il a géré le monde. Non, il a parlé avec le peuple par là, qui c'est les descendants et de la femme, encore petite femme. Là. Et dans le verset 2, il dit que bon Dieu va apparaître, l'éclair est bien belle depuis Sion. Donc, l'éclair est bien belle depuis Sion. Comme nous nous encore rappelé au travail à qui ça Sion est. Sion, c'est moi qui belle tout bon parce que c'est là que Abaya lui habite, à Sion. Sion qui en face avec Jérusalem et qui séparé par le torrent de Cédron. On oublie rappeler, nous sommes capables capable toujours et songer ça. Ensuite, verset 3 dit nous. Bon Dieu Abaya nous a venu. Li pa prete à gauche li fermé. Devant li, gen yon gros di fè k ap boule tout bagay. La vini nan mitan, yon gros vent k ap fè dega. Donc, ça, li ban nou symbole du retour de Yeshua Mashiach. C'est ça, c'est symbole ça que li ban nou. Parce que l'Isie nous, bon Dieu ben, nous a venu. Il n'a pas prêté à bouche li fermé. Devant le Seigneur, gros du feu, qui a boulé tout bagaille. Il a venu dans le temps, un gros vent qui a fait des gars. Là, Liban nous, on aspect apocalypse. Liban nous, il y a un aspect eschatologique. Le problème de eschatologie, c'est-à-dire que il y a un événement à venir, il y a un événement qui est grandiose. Donc il y a un événement côté que bon Dieu Abaya, il y a un gros bout de bagaille que le bras fait sous tes arts. En ce moment, c'est là, et n'a pas ça en nouveau dans verset 4, il dit que lire le ciel là avec la terre pour servir les témoins. Il va juger le peuple. Li va juger peuple. Ça veut dire que Abaya lui a établi trône. Et c'est pas un bagay qu'a fait en cachette, c'est un bagay qui visible. Et lui tellement visible, lui relè ciel là avec la terre pour servir le témoin. Donc c'est pas un bagay qui a fait en cachette. Tout le monde après ça qu'a passé là. Et ensuite, il dit dans verset 5, semblait tout le monde qui a servi mieux dans pied. Semblait tout le monde qui te fait contraire avec moi yo, avec moi les hôtes au fruit bête touillé bon moi. Donc Abaya, comme nous te dit au début, ça que le gars est peuple. Première fois dans verset 4 là, lire le ciel là qui la terre pour servir comme témoin parce que il va juger peuple là. Or, la Bible est claire avec nous que le jugement bon Dieu, le jugement Abaya, c'est le peuple qui a que le jugement a commencé. Et ensuite, il dit que il semblait pour lui tout le monde qui a servi l'Olympien, le monde qui a servi l'Olympien, qui a réuni l'Olympien.
Parce que moun sa ou li bezwen yo. C'est pas moun ki pa servi yo, non, pou reyini, moun ka servi yo. Elle dit que semble tout moun ki fè kontrat avec moi yo, lè ou ki ofri m bèt touye ban moi. Donc qui est ce moun ki te gen kontrat avec abaya pou touye bèt pou li même? C'est peuple ya. C'est le peuple d'Israël. Si yo te gen kontrat avec lui, pou yo ofri des bêtes pou li en sacrifice. Et li rele yo pou yo capable vini nan piel. Et verset 7, si cela dit yo, si elle là va faire connait bon Dieu abaya qui parle en partie pria, si lui-même qui se juge. Pas gen ni deux, ni trois juges. Que ciel-là a fait connaître. Ciel-là fait nous connaître que c'est bon Dieu, Abaya, pas nous. Ça qui Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, ça qui parle en partie pour Yah, c'est lui-même qui se le juge. Donc après elle, pas de l'autre encore. Et qu'on y a là, mais c'est pour le pibré avec nous toujours pour dire que, écoutez, peuple Israël, peuple moi. C'est très important. Et c'est là que nous tous devons comprendre que les parler de peuple, il y a, encore une fois, il n'y a pas parlé avec l'humanité entière, avec tout le monde qui sous bouteille en général. Mais la parler à peuple ya même les que gagne même les que disséminé un peu partout à travers le monde mais yo connaît bon Dieu yo a et bon Dieu yo a connaît yo tout même les que yo violé ou bien yo vive en violation de contrat que yo te gagne avec abaya à travers par nous yo verset 7 là encore une fois dit nous écoutez, peuple Israël, peuple moi, je vais parler avec vous. Donc, c'est une adresse solennelle. C'est chef là qui va parler. C'est autorité là qui va parler. C'est juge là qui va parler. Je vais mettre tout le bagaille à clair avec vous. C'est moi-même qui bon Dieu à Baya. C'est moi-même qui bon Dieu où. Voilà. Donc, c'est deux bagailles. Et puis, une collée avec l'autre. Il dit que tout d'abord, on pourra le mettre tout bagarre à clair avec l'autre. C'est-à-dire que Abaya dit à peuple Israël, lui parlant bien caché l'ombre d'Avel. Lui pourra le parler clair avec l'autre, il pourra le mettre tout bagarre devant le clair. C'est-à-dire que c'est eux qui pour l'ouvrir l'intelligence. Qui vous comprenne qui ça a bayab dit yo. Il dit yo, c'est moi même qui bon Dieu. C'est moi qui bon Dieu baya. C'est moi qui Dieu Abraham, Isaac et Jacob là. C'est moi même qui bon Dieu. Non seulement c'est lui même qui bon Dieu, qui c'est bon Dieu Abraham, Isaac et Jacob là. C'est moi qui bon Dieu peuple Israël là. C'est moi-même qui bon Dieu où. De donner sur le cœur. Israël n'a pas dit qu'il n'a pas connu. Il n'a pas dit qu'il n'a pas connu. Et nous-mêmes, je dis à descendants d'Israël, nous n'avons pas dit qu'il n'a pas connu. Parce que bon Dieu parle avec nous, il parle avec nous à clé. Il n'a pas avoir une commission pour nous. C'est lui qui parle avec nous. C'est lui qui parle avec le peuple. C'est lui qui parle avec le petit peuple. Il dit c'est moi-même qui bon Dieu. Et c'est moi-même qui bon Dieu où. Elle continue le verset là pour dire, ce n'est pas pour bête ou tout pour moi, yo, m'a fait un reproche. Ni pour bête ou boule pour moi. Yo. Donc, reproche qu'elle a fait à peuple là. Reproche qu'elle a fait à Israël. Reproche qu'elle a fait à petit Léo. Ce n'est pas pour être bête que tout pour lui, elle a fait un reproche. Ni pour bête ou boule pour lui. Dans un petit feu, puis la feuille reproche.
Moi pas mandé ou si tu au bœuf qui dans sec à ou ni boucabou qui dans jardin ou. Donc si tu bœuf ou gagne cabrit ko gagne dans jardin ou dans la cour la caillou. Tu pas mandé yo. Non. Il y a raison qui elle va mandé ou. Pour que ça bon Dieu pas mandé nous bari ça. Mais c'est ça la raison. Il dit que parce que toute bête qui n'en boit, c'est pour moi. Oui. Toute quantité de bête qui n'en mange, c'est pour moi. Oui, tout. Moi, je connais tous les oiseaux qui ont volé dans mon monde. Tous les animaux qui n'en savent, c'est pour moi. Oui. Donc, Abaya, quel est avec Israël? Ils n'ont pas mal de tout au bœuf qui n'en a pas la canne. Ni boucabri qui n'en a pas la canne. Ni oiseaux, tout bête. Mais c'est pour moi, oui. Et Gontes qui dit nous que c'est dans la chronique qui dit que Seigneur, nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Bagay que nous baillons l'éternel, bagay que nous offrons à Bayayo, c'est dans la main que nous recevons. Or, bête ça que Israël offre un sacrifice, c'est pour l'éternel que c'est elle qui crée, c'est lui qui fait. Lui mis uniquement mette à disposition d'Israël. Et verset 1, comment on a toujours oiseaux qui ont volé dans le monde? Tous les animaux qui naissent avant, c'est pour moi. Il dit, verset 2, il dit que si nous sommes grands, nous n'avons pas jamais besoin de dire ça. Parce que toute terre, ensemble avec tout ça qu'il a dans, c'est pour moi. Donc, bon Dieu, pas grand. Et bon Dieu, pas grand, aucune condition pour le cas grand. Parce que il dit que s'il était grand goût, il n'a pas besoin d'adresser à le peuple là. Non. Parce que peuple là, peuple Israël là, pas contre besoin, pas contre qui ça a bon Dieu besoin. Non. S'il était grand goût, il t'a pris un bagage de manger. Parce que toute terre, ensemble tout ça qui qui dans terre c'est pour Abaya. Abaya va nous gérer liban nous comme travail pour nous faire pour soin liban nous pour administrer c'est pour lui que nous c'est le grand goût tu besoin manger tu as juste pour manger c'est ça qu'il fait Israël comprendre c'est ça qu'il dit il veut dire que est-ce que manger vient. Est-ce que manger vient de Robert? Est-ce que boire un boucabout? Bon, les fruits en sacrifice, mais Abaya pas là pour manger. Abaya pas boire un boucabout. Non. Non. Abaya pas grand goût. Il pas soif. Verset 14. Mais ça pour faire pour bon Dieu. Dis le merci pour toute bagaille. Fais tout ça ou te promets de faire pour bon Dieu Abaya qui est dans celle-là. Bon Dieu dit peuple ça le faire pour lui. C'est pas un sacrifice que le plaisir parce qu'il pas manger. Mais il a juste besoin que peuple a dit le merci pour toute bagaille. Ça seulement le peuple a besoin, il a besoin que le peuple a dit merci pour du bagaille. Et ensuite, pour le peuple a fait tout ça que te promet que le fait pour bon Dieu qui est au ciel. C'est ça que le monde dit. Un, dis merci pour du bagaille. Deux, ça a été promet que tu as fait pour l'IA, pour le faire. Verset 15, là où on a travaillé, relève ma délivre. Ou à faire loin de moi. Bon Dieu, c'est loin de lui. Il m'a dit chanter pour lui. Louange-le. Dis-le que le grand, etc. L'on a trahi. Où est-elle? De où est-elle la de niveau? Et comme de fait, ou habituer elle déjà, l'on a trahi. Elle trouve la livre. Il va montrer la bagarre que je fais loin pour lui.
chanter à lui-même des hymnes de louange et de reconnaissance. Lis des psaumes. Fais comme David de qu'on fait, chanter, danser pour l'Éternel. Verset 16. Mais, bon Dieu a baillé à parler avec méchant yo. Il dit yo, qui doit nous gagner pour nous réciter le commandement moi yo? Qui doit nous gagner pour nous gagner parole contre moi dans la bouche nous? Et nous connaissons, il a parlé de méchant, je ne m'en rappelle pas ça. Méchant, ce n'est pas l'autre nation, non? Non, l'autre nation, c'est étranger qui est. Méchants ça que vous avez parlé, c'est Israélite même. C'est moun en Israël. C'est même moun ça qui était en face de David tout le temps. Il parle avec méchant yo. Il dit qui doit nous gagner pour nous réciter comme le commandement? Parce que après pas besoin que nous réciter le commandement. Il a besoin pour nous mettre en application. C'est l'application, c'est appliquer pour nous appliquer, c'est obéir pour nous obéir. Et c'est ça que nous tapons avec nous hier soir dans la méditation sur le sabbat, malheureusement. Il y a un problème, mais frère Moshe de faire suite là avec nous. Donc, qui doit nous? Qui doit nous gagner pour nous réciter comme nous devons? Qui doit nous gagner pour nous gagner parole contre moi dans la bouche nous? Et deuxième question, ça lui rappelez-nous. Observation que Yoshua Machia a fait à Pharisien. Lorsque il dit que nous honorons à bouche nous, mais que nous éloignons de moi. Nous avons observé des commandements qui sont des commandements d'homme, alors que ça a demandé pour nous faire, donc nous ne pouvons pas faire. Nous pas obéir à ça Abaya mandé nous pour nous faire à l'ordre qui Abaya ban nous. Et une fois que nous pas obéir, eh bien nous classer parmi moun yo relé méchant yo. Et en tant que méchant, eh bien nous pas gen droit pour la réciter commandement Abaya yo. Nous pas gen droit non plus tôt. On a parlé du contrat ça dans bouche nous. Donc, lui mandé pour que nous suspendions, eh bien, à observer des commandements d'homme, mais qui n'a pas rien pour eux avec ça que lui-même lui mandé. Verset 17. Nous ne voulons pas quitter nous corriger, nous. Nous de refuser obéir au commandement moi. Bon, c'est exactement ça que Yoshua Machia t'a dit dans ça que nous avons lié, ça, mais que vous pouvez nous chercher avec nous. Donc, c'est que Yoshua Machia dit que bon, Moïse, bon, nous, loyaux, il bon, nous, commandement, bon, nous, pas, nous refusons d'obéir, et puis nous nous sommes. Ce commandement pour nous appliquer. Ce commandement pour nous obéir. C'est à l'ordre de Abba pour nous obéir. C'est Torah. C'est principe. C'est loi. Que nous avons obligation pour nous appliquer, pour nous obéir. Or, nous ne voulons pas quitter, nous corriger. Nous. Et là, nous gardons bien première partie. Verset 17, nous ne voulons pas quitter me corriger nous. C'est avec ça, oui, que je suis à marcher, j'ai été sur ce bout de terre. Selon Matthieu, chapitre 5, verset 17, 18, je crois, il n'est pas venu pour l'abolir, ni loi, ni prophète, mais il est venu pour montrer nous qui vient pour nous mettre en pratique, qui vient pour nous obéir à nous-mêmes. C'est si une correction, c'est pas loi, non, bon Dieu, je vais corriger. Tant qu'on a plus le monde, je vais comprendre, il devine ranger. Non,
L'idée vient pour corriger nous et nous pas veulent corriger nous. Il vient montrer nous, il vient montrer nous comment qu'on peut bagaille au mal, il vient montrer nous comment qu'on peut faire au bien. C'est ça que vient montrer nous. C'est pas loi qui vient corriger, c'est pas commandement qui vient corriger, c'est nous qui vient corriger. Parce que nous dérefuser obéir à commandement yo. Et vient montrer nous comment pour nous faire ça. Il vient corriger nous, n'est ça que nous fait qui mal. Verset 18. C'est chargé, oui. Là, nous, on volait, nous faisons ami avec lui. Nous mettons nous ensemble avec femme mauvaise vie. Là, nous, on volait, assassin, avadra, zinglin, tout mauvais monde. Nous, ça, nous, on nous fouille en bas, nous faisons comme ami. Nous mettons ensemble. Ak femme mauvaise vie qui dans la prostitution peut-être la drogue alcool tabac et autres c'est yo que nous prenons nous fourrer en basel nous comme zanmi nous alors que la protocole c'est dans Corinthiens que ainsi après au bon mœurs si une déclaration qu'il fait il dit que les mauvais amis corrompent les bonnes mœurs soit fréquenter c'est louer ou fréquenter mauvais monde et bien ou c'est mauvais monde verset 19. Nous sommes chauds pour parler mon mal. Depuis nous l'ouvrir, bouche nous, c'est mentir à bail. Nous sommes chauds pour nous parler mon mal. Pour nous dire ceci, mon cela. Nous toujours, ouais, ça, mon fait qui passe ça. Et c'est ça que Yeshua Mashiach, pour reprendre le texte, il dit que ou est paille qui n'a pas eu prochain là, mon père poutre qui n'a pas eu pour là. Nous toujours ouais ça comme la caille là. Mais la caille par nous toujours quoi que nous c'est bon bagay. Et depuis nous bouche nous, c'est vieux que je n'ai dit, c'est menti n'a bail, parole qui passe à dit tout. Nous chita, n'a pas les frères nous mal, n'a pas menti sous frères nous, qui même maman avec nous. N'a fait médisance. N'a pas les frères nous mal. N'a pas menti. Sous frères nous qui même maman avec nous. N'a oublié. Nous tous, Israélites, ces petites femmes dans nous. Nous tous, nous même maman. Nous ces petites femmes là. Nous ne pouvons pas parler frère nous mal. Nous ne pouvons pas faire frère nous injustice. Nous ne pouvons pas faire frère nous ça que pas ça. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas faire comme ça. Verset 21. Nous faisons tout ça. Et puis nous te voulons pour nous payer bouche moins. Nous mettons dans la tête nous ces mêmes monde avec nous moyens. Mais coulier, je vais faire nous prendre un menu. Je vais mettre tout le bagage à clé devant genou. C'est un proche, je vais faire un peuple. Pour nous faire tout le bagage, et puis pour nous penser que pour ne pas parler encore, pour nous faire un peu de soin.
Nous faisons tout l'abus à eux et puis nous avons des moumbés pour moi. Comme si nous mettons en tête nous que moi avant nous sommes même nous. C'est un bail qui a parlé à peuple là. À peuple Israël. Ce n'est pas l'autre peuple, nous avons parlé. C'est Israël, oui, petite femme là, oui. Qui met en tête ce que eux-mêmes avec Abaya, c'est même bagaille. Eh bien, Abaya dit, eh bien, bon, ok, pas un problème. À partir de jeudi, on va le faire nous prendre. On va le mettre tout le bagaille à créer l'évangile. Abaya, tourne un monde qui révolté. Abaya, tourne, fait pour un monde ou bien un groupe qui a fait une révolution. Parce que le peuple a fait trop. Le peuple a fait trop. Et Abaya a dit, ok. Comme le dit dans le psaume 46. Campé. Pour l'enseignement qui est bon de Abaya. On va le mettre toute bagarre à travers l'évangile. Et laisse ça comprendre. Verset 22. Écoutez ça bien. Nous-mêmes qui oubliez si bien bon de Abaya. Si ce n'est pas ça. M'a déchiré nous. Laisse ça. Pas de monde qui a délivré nous. Ah ben, ça peut bien, ça peut bien. Avec nous, on a parlé. Peut-être nous avons considéré que c'est Israël l'autre fois. C'est pas de bon. Non, nous-mêmes tous, qui aujourd'hui a réveillé. Peut-être que nous ne pouvons pas être réveillés. Et Abaya parle avec nous. Il nous écoute ça bien. Nous-mêmes qui oublions si c'est bon Dieu, si c'est Abaya. Et si nous mettons en tête que pas de bon Dieu, pas de Abaya, nous oublions, eh bien, il dit que l'a déchiré nous. Il a déchiré nous. Pas bien. Personne monde qui a délivré nous. Vous avez le droit. Les hommes songer, dit merci pour toute bagaille. C'est ça. Il fait le rejoint. M'a délivré tout le monde qui a vu côté. Il a mis des pieds. Ouais, c'est ça. Chers amis. Deux versets, ça yo chaque yo bon nous des détails différents qui va permettre que nous faisons un coup de sous-situation avec Abaya. Tout d'abord, verset 22, il nous coûte ça bien. Nous-mêmes qui oublions si bien bon Dieu Abaya. Ok. Eh bien, si nous oublions que bon Dieu Abaya, c'est parce que nous avons servi l'autre bon Dieu. Le fait que nous servons le bon Dieu, le fait que nous oublions que le bon Dieu est là, eh bien, il dit nous, il a déchiré nous. Et depuis le déchiré nous, il y a des gens qui ont délivré nous. Ça, c'est un premier aspect. Mais deuxième aspect, il dit que les gens qui sont, je dis merci pour toute bagaille. C'est le ça, il fait loin de moi. Les nous songer pour nous dire merci pour tout bagaille, c'est le ça, nous fait loin pour lui-même. Il dit nous, m'a délivré nous, m'a délivré tout le monde qui a veillé côté, y a mis tes pieds. Eh bien, comment l'a délivré nous? Eh bien, c'est bien sacrifice. Yeshua Mashiach. Nous tous qui t'ai abandonné à Baya et qui t'a servi l'autre Dieu. Dieu, côté que sacrifice côté Abjam capable de rétablir relation avec Abaya.
Eh bien, c'est pour ça, oui, qu'il fait de promettre non, que la délivre tout le monde qui a veillé côté et a mis des pieds. Et c'est sans ça, sacrifice, le choix Mashiach, là, les gagner pour nous-mêmes, en tant que peuple de Dieu, en tant que peuple de Yahweh, il m'a quitté, abandonné, eh bien, lui offrir nos délivrances là, par l'intermédiaire de Yahushua Mashiach. Et le terme délivré que traducteur, il mettait la ligne importante pour nous en pile, parce que nous connaissons que la Pâque, c'est la délivrance et la mort de Yahushua Mashiach. À l'occasion de la Pâque, eh bien, c'est la délivrance donc pour son peuple. Pour peuple Ya, qui était deux ans de Ravel. Pour peuple Ya, qui n'a pas qu'à approcher beaucoup de tel, parce que il était oublié si il y a un bon Jabaya, mais c'est dans l'autre Dieu où tu es allé. Par rapport aux autres dieux qui étaient allés, Abraham a déchiré, mais par rapport à Yahushua Mashiach, qui versait sang pour eux, eh bien, il y a encore une chance pour qu'ils soient capables de délivrer. On nous profite de la seconde chance que Abaya Libanon, avec le sang de Yahushua Mashiach, pour que nous changions le fusil de l'épaule, pour que nous marchions avec Abaya conformément à la loi, à la statue, à commandement, à précepte, à Torah, et ainsi, Abaya va accepter nous une nouvelle fois comme petit lit, et nous va marcher et recevoir bénédiction sous bénédiction. Puis encore une fois, Abaya, bénis-nous abondamment. Alléluia, alléluia, alléluia.